Ces derniers jours, le couple de Maxime et Salomé sombre inexorablement au grand dam de tous les fans d'ici tout commence mais pour le plus grand bonheur d'Ambre. Un nouvel événement pourrait d'ailleurs aggraver la situation. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes d'ici tout commence. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Au jeu de la désignation du couple le plus emblématique d'ici tout commence, celui de Maxime, Clément Rémien, et Salomé, Aurélie Ponce, serait certainement très bien placé. Alors que les fidèles de la quotidienne à succès de TF1 croyaient leur amour à toute épreuve, l'arrivée de la tornade Ambre, Claire Romain, dans la vie de ces deux apprentis chefs a semé la zizanie et les a plongés dans une zone de turbulence qui pourrait avoir raison de leur relation. Depuis qu'elle a débarqué dans la célèbre école gastronomique, Ambre a jeté son dévolu sur Maxime et n'hésite pas à se montrer particulièrement entreprenante même s'il est avec Salomé. Une situation difficile pour cette dernière qui enchaîne les crises de jalousie et agace de plus en plus le jeune homme. Si la guerre est belle et bien ouverte entre les deux jeunes femmes, elle l'est également entre Maxime et Salomé qui ont tous les deux décidé de participer au concours de la truffe du chef Mancini. D'ailleurs, le choix de Maxime de choisir Ambre comme commis n'est pas de nature à apaiser les tensions. Dans ce contexte, autant dire que tous les coups seront permis lors des prochains épisodes du feuilleton. Tandis que le couple commence à accuser le coup, Ambre et Maxime ne cessent de se rapprocher. Au point de succomber à la tentation, œil pour œil, c'est une toute nouvelle intrigue centrée sur le triangle amoureux Maxime, Salomé et Ambre qui débutera dès ce soir sur TF1 dont la bande-annonce vient d'être mise en ligne sur le site MyTF1. Intitulé œil pour œil, on comprend immédiatement que Maxime et Salomé vont être une fois encore pris dans la tourmente, quitte peut-être à ne pas s'en relever. Ces images inédites reviennent sur le rapprochement d'Ambre et Maxime ainsi que sur la jalousie naissante de Salomé qui s'est exprimée au cours des derniers épisodes de la série. Mais les événements vont prendre une autre tournure lorsque Kelly, Axel Daudier, révélera à sa tante qu'elle a vu Ambre en serviette de bain dans la chambre de son copain. Même si l'on sait que cette situation résulte d'un accident de mixeur mal fermé, Salomé va malheureusement croire que l'homme qu'elle aime l'a trompée. Profondément blessée, elle va donc décider de riposter. « Je vais frapper fort, là où ça fait mal », lance-t-elle à Anaïs, Julie s'assouste. Son amie la questionne alors, « Tu ne vas pas te mettre à le tromper alors que tu n'es sûr de rien ?» Peine perdue. Salomé est déterminée à se venger et passera à l'acte dès ce soir en sabotant la recette que prépare Ambre et Maxime pour le concours de la truffe. Un acte lourd de conséquences pour l'avenir du couple. En effet, dans la suite de la bande-annonce, Maxime déclare Salomé, « Je te préviens, tu es en train de tout gâcher. » Point puis d'ajouter quelques instants plus tard, « Je ne veux plus te voir. » De son côté, Kelly assure à sa tante que tout finira par s'arranger. Pendant que Salomé répond les larmes aux yeux, « J'ai tout gâché », Ambre se rapproche dangereusement de Maxime. Après que celle-ci lui a demandé « C'est quoi ton envie la plus forte ?»« Que je te lâche. » Le fils d'Elcourt répond non puis l'embrasse. Quel avenir pour le couple Maxime et Salomé ? Il y a quelques semaines Clément Rémien avait confié à notre micro qu'une espèce de triangle amoureux, allait, naître avec Ambre, que, Maxime, allait, tromper Salomé. À ce stade, cela ne fait désormais plus aucun doute. Mais ce n'est que le début.
Selon les synopsis officiels, les choses vont continuer de s'envenimer au sein du couple phare de la série tout en provoquant des répercussions sur leur entourage. Maxime aura beau tenter de repartir sur des bases saines pour cacher son terrible secret, les tracas amoureux de leur couple pourraient malgré tout créer de nouvelles tensions à l'institut. Maxime et Salomé se relèveront-ils de cette épreuve? Comment va réagir la jeune femme en apprenant la vérité? Compte tenu du titre de cette intrigue, décidera-t-elle de le tromper à son tour? Pour sa part, Ambre continuera-t-elle de tout mettre en œuvre pour attirer Maxime dans ses filets? En tout cas, Maxime va devoir faire face à de violents détracteurs et affronter une situation qui pourrait le conduire à sa perte. Voilà un début automne qui sera loin d'être de tout repos à Calvière. Nah.